Ben voilà, le jour J est arrivé. Donc, comme on peut voir, bah, j'ai commencé à monter les murs donc, pour le futur atelier. Mais l'inconvénient, c'est que là, je ne peux pas monter plus haut. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que je commence à mettre un échafaudage. Et vu la tête du plancher, on va peut-être éviter quand même, hein, parce qu'il faut un minimum d'assises. Et là, je risque de passer au travers, donc c'est vraiment pas sécurisant. Donc voilà, donc là, je remplace donc, tout ce qui est ancien plancher. Les poutres sont excellentes. Là, je n'ai qu'à mettre bah, du compliband, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Et je mets de l'OSB le plus épais qui existe. Voilà. Et puis après, bah, je pourrai sauter à pieds joints dessus, il n'y aura aucun souci. Allez, comme dirait l'autre, c'est parti. Ceux qui connaissent, c'est le compribonde. Ceux qui ne connaissent pas, ça permet simplement, lorsqu'on a un plancher, si on ne met pas ça entre la poutre et le plancher, ça fait boum boum boum. Avec ça, ça fait pof pof pof. Voilà, ça va tout. Ça me plaît pas. Je pense que vous l'aurez compris pour moi. Alors, dans les vieilles maisons, il y a un truc qui est un peu chiant, c'est que rien n'est droit. Alors, il faut toujours s'adapter au fur et à mesure, c'est-à-dire que pour avoir un angle droit, il faut aller le construire soi-même. Hein, parce que un angle droit dans une vieille maison, ça n'existe pas. C'est comme ça, je sais pas, à l'époque, j'ai peut-être avoir des équerres un peu bizarres, donc, je sais pas, des équerres comme ça, un angle droit, ouais, je sais pas. C'est comme ça qu'ils veulent faire pour construire leur maison, c'est pas possible autrement. Quoi. Mais bon, c'est à moi de m'adapter, c'est pas la maison à s'adapter à moi. Allez, c'est reparti. Et ben voilà. Là, c'est quand même mieux quand même. Voilà. Je vais calibrer tout ça. Et puis ben, après, je vais continuer mon alignement jusqu'au bout. Ah, il faut en faire des découpes. Hein. Ben voilà, petit à petit ça continue, hein. On continue à avancer tout doucement dans les travaux. Je continue à enlever le plancher, le vieux plancher. Puis je le remplace par de l'OSB de 22, tout simplement. Alors, il y a un truc, c'est qu'au début, les planches là, je voulais les récupérer pour faire de la décoration contre un mur, pour rappeler la vieille maison. Mais là, là c'est pas possible, c'est simplement pas possible. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas rendu compte tout de suite, mais le plancher est vraiment pourri. Quoi. Il est vraiment pourri. Donc, c'est-à-dire qu'il va partir en déconfiture sur mon mur. Tiens. Là, c'est Dokéo, c'est mon choix.
Thank you.
C'est fini.